Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur Forza Motorsport 7 en attendant Forza Motorsport 8. Je sais qu'il y en a que ça agace qu'on dise Forza Motorsport 8, mais bon, j'ai envie de les titiller un peu. Bref, on est aujourd'hui dans une Clio Williams et on va faire la course avec d'autres voitures similaires, peu ou prou, alors d'époques différentes, bien entendu, ça va des années 70 aux années 90. Et donc on est sur les circuits Bugatti du Mans. Et c'est pour moi l'occasion de rebondir un petit peu pour vous parler de deux choses. La première, bien entendu, c'est que si le contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et bien entendu le petit pouce bleu de l'amour qui fait super plaisir. Et la deuxième chose, donc, pour vous parler vite fait du live d'hier soir, donc live qui s'est déroulé sur Forza Motorsport 7, donc en multi. On a fait un petit salon sur ce même circuit et avec cette Clio Williams, donc. Et ensuite, on a été faire deux petites courses hein, sur Mount Panorama et sur Spa en GT3. Et donc, le but de la manœuvre était de tester le multi pour savoir s'il était viable sur la chaîne, à savoir si on allait pouvoir en profiter. Alors malgré le fait qu'on n'a pas eu beaucoup de participants, parce que bon bah c'était une première et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir du Forza Motorsport sur la chaîne, donc peu de participants, mais malgré tout des courses extraordinaires, des grosses bagarres, des belles images, le mode spectateur donc pour les viewers est vraiment pas mal du tout. Et donc, bien, a priori, les pilotes, en tout cas, ont passé un très très bon moment. Donc, Forza Motorsport 7 en live sur la chaîne, c'est validé. Et on le retrouvera donc tous les jeudis. Et si vous voulez rouler avec nous, eh bien, n'oubliez pas de me demander en ami sur l'appli Xbox. Donc, vous avez mon gamer tag en description. Et n'oubliez pas non plus qu'à partir de lundi, on se retrouvera en live sur Twitch. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien de la chaîne en description. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette course. Petite nouveauté, vous allez voir au niveau de la mise en page, si je puis dire. On se retrouve après la course pour le mot de la fin. A tout de suite.
Voilà donc pour ce qui est de cette petite course, hein, donc c'était vraiment histoire de tester un petit peu le setup.
Et je suis plutôt content du résultat. C'est assez plaisant et j'espère que pour vous, c'est également agréable à regarder. Voilà, donc une nouvelle fois, n'hésitez pas, si vous voulez venir rouler avec nous tous les jeudis soirs sur Forza Motorsport 7, de me demander un ami. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas. La zone en dessous est faite pour vous et je ne manquerai pas d'y répondre si bien entendu c'est dans mes cordes. N'oubliez pas une nouvelle fois de vous abonner si le contenu vous plaît, d'activer la cloche, le petit pouce de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Tiens à vous !